Hop, salut les gens. Ouais, c'est rouge, hein. Allez, j'ai le soleil en pleine gueule, donc j'étais obligé de mettre le putain de rideau, mais. Du coup, j'ai la gueule bien rouge, ouais. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça racontait? Ça racontait quoi? J'ai un Gotek sur le CPC+, ouais. J'ai un HXC, ouais. Ouais, tout à fait. Moi, je sais pas, la dernière mise à jour que j'ai fait, c'était pour avoir la lecture de DSK. Cette espèce d'abruti voit bien les DSK dans l'architecture fichier, mais il est incapable de me les lancer. Donc, de toute façon, je pense que en fait, je vais sans doute racheter un machin USB là, pas cher là, à 30 boules. Parce que finalement ça marche mieux, c'est plus pratique. Alors bon, c'est pas trop adapté pour mettre au cul du CPC, donc je pense que je mettrai, de toute façon ce sera sur un câble à la con, hein. Mais ça prend moins de place et puis je trouve ça plus pratique au final. Voilà. Bon, tiens, allez hop, on y va direct. Alors attends, il ouais, faut que je descende ça, parce que sinon on voit pas. Alors j'espère que la petite, elle va être tranquille. On va se faire, alors je l'avais déjà fait en stream, à l'époque c'était en qualité dégueu. Donc je vais le refaire. Prehistoric 2 sur CPC+. Comme ça donnera l'occasion au Thomas, je sais pas si tu as déjà vu. Alors non. Non. On s'en fout. 3. Voilà, on va mettre ça. Je sais pas si tu le connais en version CPC+, ce jeu. Qui est quand même vachement mieux sur CPC+. Déchire la musique. Parce que faut que je me méfie quand même que Justine se réveille pas, donc peut-être mieux pour que je traîne. On va essayer de le finir. Normalement, il est facile. Ça fait des siècles que j'y ai pas joué. Je pense que j'ai mon ancien stream est sur Amstariga. Pour le coup, je mettrais celui-ci à la place. La qualité est meilleure. Ouais, la qualité sera bien. Ouais, la gratte, elle est samplée. En fait, c'est que des samples, hein, la musique de début. Ouais, c'est l'équivalent d'un mode en fait. Allez, on y va. Hop là. Donc, j'abrège, je prends tous les passages secrets. Hein. Là, il y en a un. Hop, je le prends. Je vais essayer de le faire au plus vite. Si je crève pas, alors souvent c'est le dernier niveau qui pose un peu de problème. Je m'emmerde pas à prendre les passages à la con qui donnent rien. Hop là. Merde, tiens, je me suis fait toucher, putain. Bon, c'est pas grave, s'en fout. Hop. Putain, je me fais toucher. Daube. Tu viens de faire F5, c'est pas grave. Donc je disais Riti que j'avais effectivement un Gotek HXC sur mon CPC+. Et voilà. Et que bon, personnellement, j'en suis pas plus satisfait que ça, dans le sens où je trouve pas ça plus. Je trouve pas ça super pratique en fait. Je préfère ce que je disais, le Gotek low cost là, le truc USB là. Bon, il va crever lui. Le chier, cette putain d'araignée. Alors. Voilà, donc là je prends le briquet qui est nécessaire pour passer les niveaux. Ouais, c'est bien fluide après.
Bon, après, de toute façon, c'est toujours mieux sur un vrai CPC, mais. Hop, là, il y a. Là, je suis sur le rocher, il y a un passage secret, là. Donc, on appuie en bas. Alors, par contre, le jeu rame de temps en temps, hein, quand il y a beaucoup de trucs. Et là, il y a un autre passage secret juste en dessous. Hop. Ouais, le Gotek Low Cost en USB, là, il est très bien. Et justement, en plus, il lit les DSK, lui. Il lit les DSK. Alors, je crois qu'il y a juste l'écriture. Il faudra que je mette une mise à jour, parce que je crois qu'il y a une mise à jour dernièrement pour pouvoir écrire. Ce qui est pas plus mal. Putain, je croyais qu'il avait planté ce coup. De faire tomber la nuit parce qu'on n'y voit rien. Voilà, ça commence à ramer là. On voit qu'il y a dès qu'il y a beaucoup d'ennemis. Bon, ça je l'avais déjà. Hop là, oui, je finis vite hein, ce joueur. Hop là, le gameplay est bon. Pas hésiter à sauter sur les ennemis pour récupérer les options. Hop là, moi je trace. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Merde, putain. Donc c'est du scrolling hard. Hein. Alors, je crois que je peux aller chercher le. Ah non, c'est le B. Pff, ouais, je m'en fous du B. Alors là, pareil, il y a un passage secret en bas, là. La musique est sympa, hein. Musique de kangourou. Hop. Bon, après, du coup, ce que tu disais, Righty, moi, j'ai pas... On va dire que j'ai pas plus testé que ça. Maintenant, mon CPC+, il me sert surtout pour tester mon code... avec la CFOR CPC, puisque je code quasiment plus que là-dessus, je suis plus de format disquette, ça me pète les couilles les disquettes. Donc, j'ai pas tenté d'accéder aux deux lecteurs en fait, en même temps, je crois pas. Bon, de toute façon, moi j'ai un inverseur après que j'avais mis sur mon truc. On peut choisir un connecteur centronique ou mettre un... Hein? De quoi? On peut le choisir avec connecteur centronique. Non, non, bah non, tu peux pas, non, il te faut un adaptateur. Il n'y a pas de version avec prise centronique, ce qui est un peu débile. Perso, je sais pas quand j'en achèterai un. Bon, enfin bon, cela dit, si c'est pour l'avoir au cul du CPC, que c'est pas spécialement adapté au cul du CPC+. Je pense que le mieux c'est d'avoir un câble centronique vers Saloperie. Merde, oh putain, j'ai oublié, hein, j'ai du cul. Hop, alors là, on se fait tomber là. Et là, il y a un connard qui arrive. On saute par-dessus, on lui pète la gueule. Voilà. Hop là. Oh, ça réagit bien. Bon, les sprites sont un peu gênants. Hein. Pour l'instant, je les ai laissés, mais je pense que dans les prochains niveaux, je les laisserai peut-être pas là, parce que les palmiers sont un peu pète-couilles. Alors, le pire, je crois que c'est les nuages. Les nuages, on voit plus rien, quoi. Allez, dégage. Voilà. Je sais pas pourquoi d'habitude je le tue pas, mais. Ah là, il m'a touché. Bon, là, il y a une vie. Hop, il faut faire venir la petite abeille. Oh putain, quel con. Putain, j'ai chié dans la colle, là, mais quelque chose de bien. J'ai chié dans la colle. D'habitude, je m'amuse à sauter sur le dos de l'abeille pour aller au bout du niveau. Dégage, toi.
Alors, hop, il y a plein de petits passages secrets. Alors, le jeu, il est pas complet, c'est ça qui est un peu dommage. Par rapport à la version PC, hein, la version originale, c'est une version PC. Allez. Donc là, je vais là, c'est essentiellement pour choper le marteau. Le maillet plutôt, c'est pour un marteau. Hop. À droite, il y a un. C'est pareil, à droite, il y a un passage secret. Bon, les nuages, ils me font chier, donc je vais y virer parce que. Vous me faites un peu les couilles. Et normalement, pour aller à droite, faut sauter sur le dos là d'une abeille. Remarque, on peut le tenter. On peut le tenter, ça donne pas grand chose, c'est juste des bonus à la con. Alors, faut que l'abeille à la con, elle vienne par là. Bon, c'est pas une abeille d'ailleurs, c'est plus une libellule qu'autre chose. Mais... Une bidule jaune, pourquoi pas. Voilà. On s'arrange pour que les abeilles restent ici, puisque on va en avoir besoin pour faire leur tour. Donc là, j'ai foiré. On parle à toi. Voilà. Hop là. On a bah, le fond de l'écran, on voit bien là, la colline et puis le ciel. Là, tout ça, c'est des rasters. Hein. Oh, le jeu, je sais pas en combien de couleurs il tourne, mais il doit y en avoir un paquet. Hein. Là, on est, on a vu, on est dans la quarantaine de couleurs. Donc là, j'ai le maillet. Et à gauche, il y a quoi? Un peu plus ce qu'il y a à gauche. De toute façon, faut y aller. À part un cornet de frites. Ah oui, il y a une vie, c'est pour ça que j'y vais d'habitude. Voilà. Hop là. Hop là, hop là. Tac, et alors là, faut se laisser tomber au bon endroit, sauf que je ne me rappelle plus exactement où c'est. Bon, c'est bon. Je suis tombé pile poil dessus. Ça m'évite de me taper toute la descente une par une. Putain, par contre, il est lent à charger cette version, c'est incroyable. Bon, là, je l'ai en original. Alors, par contre, j'ai pas retrouvé, je sais pas ce que j'ai foutu. Quand je suis parti de chez mes parents, ma mère, elle avait détaché tous les posters du mur. Et parmi les posters, il y avait celui du jeu. Qui est en fait là. Donc, un côté poster et un côté notice. Et du coup, je sais pas ce qu'elle en a foutu. Je l'ai pas retrouvé donc. Bon, est-ce que j'ai le temps de passer? Non, je me suis fait toucher, putain. Donc on lui pète les bras, après on lui pètera la tête. Vas-y. Hop, et ce sera la fin du niveau. Ah, je me suis fait toucher encore. Putain, j'étais trop près. Hein. Allez, zoom. Fin du niveau. Alors, c'est plutôt sympa l'utilisation des sprite arts, du coup, parce que ça a un autre plan. Là, si je mets les arbres, c'est un peu chiant. Le côté différentiel est un peu sympa, quoi. Merde, putain, mais je me fais toucher mais bêtement à chaque coup, hein. Oh, le petit côté scroll différentiel est plutôt cool. Cela dit, je vais peut-être pas jouer avec tout le long parce que c'est un peu chiant, on voit pas. Du coup, on voit pas super bien. Ah, je crois que c'est là qu'il faut se laisser tomber, je suis plus sûr. Bon, on verra après. Si c'est là, normalement, je crois que je me laisse tomber ici en dessous. Mais... Ah, c'est ça. Je me rappelle encore de mes bonnes vieilles astuces. Voilà, ce jeu, je l'ai fait en long, en large, en travers, comme on dit. Je connais un peu par cœur. Même si j'ai pas joué depuis longtemps, ça devrait le faire. À part le dernier niveau, où ça va peut-être être un peu plus chaud. Donc là, pareil, il faut passer par en haut et sauter sur le dos des araignées pour pouvoir monter un peu plus. Donc faut passer sous celle-là sans se faire toucher, voilà. Et puis par contre faudra sauter sur le dos de la deuxième qu'on va voir tout de suite, voilà. Il fait chier, mais...
Oh putain, elle m'a touché. Ouais, j'ai perdu une vie. Et un peu chier, tiens. Double. Double, double, double. Bon, bah j'aurais perdu une vie déjà ici. Hein. Chiant ça. Hop là. Voilà. Hop, et on va à droite. Hop là. Bon bah dis donc, ça cause plus là. Ça cause plus sur le chat. Hein. Donc c'est calme. Hein. Alors faut pas toutes les tuer les araignées parce qu'il y en a qui vont nous servir. Ça on s'en fout. Merde. Mais il y en a qui vont nous servir à aller un peu plus haut en sautant dessus. On te regarde jouer. C'est si passionnant que ça. Non, c'est vraiment dommage que ce jeu, bah, il soit pas complet, quoi. Ça aurait mérité vraiment d'avoir tous les niveaux, quoi. On admire le maître. Voilà, trop tôt. Voilà, maintenant. Voilà, hop. Tiens, là, il y a un dino à la con, normalement. Et là, on prend le deltaplane. Le deltaplane qui va nous permettre d'aller voir en face ce qui s'y passe. Et de récupérer, c'est la cuillère, je crois, qui est nécessaire pour finir le niveau. Si on l'a pas, on pense pas. Voilà, hop, je l'ai. Maintenant, on va redescendre. Alors, on peut tuer les moustiques avec le deltaplane, mais bon, c'est un peu mal branlé, donc hop. Ouais, donc en fait, c'est là qu'il faut que j'aille. Aussitôt, on tire et on saute le plus en bas droit possible. Voilà, donc là, on perd un cœur. Voilà, hop, et on saute. Et comme ça, on a tiré direct à la fin du niveau sans se faire chier à tout descendre. Voilà, hop. Ouais, on dirait qu'il flotte inversé. Ah ouais, il flotte à verse, ouais, effectivement. Alors, on prend ça. Donc là, c'est le dernier niveau. Normalement, on a les. On est déjà à la fin du jeu. Hein. Normalement, on a les nuages. Je vais les virer parce que les nuages, ils sont vraiment chiants. Sur ce niveau. Et puis là, on enchaîne. Oh, je l'ai pas touché, putain. D'habitude, je le touche, cette merde. Alors là, c'est le premier passage qui est un peu chaud. C'est qu'on a on a des pics, il faut vraiment sauter à ras du cul. Voilà, alors, moi j'ai sauté trop tard. J'ai sauté trop tard. Donc c'est ce niveau-là en général où je perds des vies, mais bon, je vais pas en perdre 5, hein, je pense pas. Ou alors c'est vraiment que j'ai perdu la main, mais normalement c'est pas le cas. Hop là. Bah non, il est pas long. Hein. Dans le jeu original, normalement, t'as encore le niveau dans le monde de glace, t'as un autre niveau, je sais plus où. Putain, mais. Ah, oh, putain, mais je deviens nul à chier, moi. Hein. Je perds vraiment la main, sans déconner. Premier truc, surtout pour le deuxième, parce que sinon on est mort. Alors on essaye d'en tuer le maximum, parce que alors là, c'est le passage où faut pas arrêter de tirer. Si je tirais correctement, ça irait. Alors c'est pareil, j'ai toujours cherché s'il n'y avait pas un passage secret, parce qu'il y a des trous dans l'arme en fait.
sur le côté gauche. Et j'ai toujours cherché s'il n'y avait pas moyen. J'ai remonté l'arbre par l'extérieur pour aller voir s'il y avait quelque chose au-dessus. J'ai tout essayé et j'ai jamais réussi. Voilà, c'est bon. Le niveau, il est terminé. Et on arrive vraiment au tout dernier niveau du jeu. Alors normalement, en premier plan, on a les palmiers. Et donc là, c'est le boss de fin. Donc on va attendre qu'il fasse tomber ses conneries, hein. Je crois que ça nous tue en un coup, hein, les merdes. Voilà. Là, on lui saute sur le bras. Et en gros, c'est terminé pour lui. Parce que maintenant, on lui chope le cerveau. Jusqu'à ce qu'il tombe. Et puis voilà, fin du jeu. Fin du jeu, quoi. C'est pas. C'est vraiment super court. Alors moi, quand j'ai eu Prehistoric 2 à l'époque, alors. J'ai eu pourquoi? Pour mon anniversaire ou pour Noël? Pour Noël, je crois. Et bah, j'étais content de l'avoir. Hein. J'étais impressionné par la musique, par les graphes et tout. Sauf qu'en fait, je l'ai fini dans la journée. Donc pour le coup, j'étais un petit peu déçu. Oh, c'est bon, on peut remettre les palmiers, non? Ouais, voilà, hop. On remet les palmiers. Bon, bref, c'est beau, c'est la fin du jeu. Le jeu est fini. Et donc, on arrive au dernier truc. Ouais, il tient sur une face, ouais. Le dernier truc, où en gros, c'est du texte. C'est du texte, encore pareil, je virais les nuages, on va peut-être polir le texte, mais alors c'est bien parce que là, le dernier niveau, la palette du décor, elle est, enfin même du perso, est un peu différente, il est un peu plus foncé que dans le reste du jeu, donc je sais pas pourquoi. Et en gros, voilà, il nous explique comment il a fait le jeu, bon là pour l'instant il nous dit pas, là c'est juste l'histoire, et voilà, Song for Playing, gna gna gna, les crédits. Des bonus qui servent à rien. Voilà, this game develop using tous ces PC on maximum disque. Bon courage. Donc ouais, le source il était splitté forcément, il n'y a pas trop le choix parce que du coup il a quasiment plus de RAM avec la version 10 de Maxam qui prenait pas mal de place. Voilà, enfin bref. Offering game and music par scrolling, many more than the standard 16 hardware sprite. You should know that CPC game seller. Bah, du coup, ouais, c'est un peu lui qui a fait les premières ruptures hard. Ah non, soft, elles sont soft. De sprite hard, hein, c'est lui le premier à avoir dupliqué les sprite hard, du coup. Voilà, oh il descend mon truc, j'ai pas demandé de descendre, putain. Il est con, quoi. Putain, je pouvais plus m'arrêter. Il aurait pu mettre d'autres niveaux sur la deuxième phase. Bah oui, carrément. Hein. Ils auraient même pu carrément faire une cartouche du jeu, quoi. Alors c'est peut-être ce qui était prévu, et du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a une limitation. Hein. Je vais essayer de remonter si je peux. Pour reprendre le dernier que j'ai loupé. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. Peut-être qu'il avait prévu d'en faire une cartouche et donc qu'il se limitait à 128K des données pour. À 100. Oui, 128K, c'était que 128K les cartouches. Sans doute. Je sais pas. Donc il y a eu l'excellent Prehistoric Man sur Game Boy qui est en fait. Bah, c'est le même jeu en plus complet avec des vrais boss. Dommage de pas l'avoir fait sur CPC de plus parce que. Il y avait moyen. Alors, comment qu'on fait déjà pour sortir de cette merde? Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, hop, et puis là on recommence à zéro. Normalement il y avait l'écran 3D, on n'a pas eu le temps de le voir, où il me disait mon score et tout, parce que j'ai laissé appuyer sur Fire. Mais donc le jeu il recommence à zéro. Voilà, c'était Prehistoric 2, donc il se finit super rapidement, puisque là ça fait 25 minutes que je stream, j'ai parlé 5 minutes facile, j'ai laissé la musique et tout, donc en un quart d'heure, à mon avis, le jeu terminé, quoi. Voilà pour ça. Maintenant, je vais faire quoi comme jeu? Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps quand même. Je l'ai un peu torché là pour le coup. Qu'est-ce qu'on va faire?
Donc ouais Thomas, ouais, j'ai essayé pour la parenthèse 3D Grand Prix là chez moi hier. Donc en fait quand je le mets j'ai un read error A. Voilà. Du coup sur la face B quoi. Les autres j'ai pas réessayé. Bon, c'est un peu dommage quoi. J'arrive pas à le faire fonctionner ce putain de jeu, ça me saoule. Là. Oh, Total Recall, il est trop dur. Enfin, je le connais pas assez. Je le connais pas assez. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma liste? Ouais, je vais pas me faire un Shinobi. J'avais dit que je le referais en stream, mais j'ai pas tellement envie de me le faire aujourd'hui. Même s'il est facile à finir. L'autre coup, je crois que c'est parce que j'avais une version de merde et puis du coup, j'avais pas le dernier niveau où ça avait planté ou un truc comme ça. Mais du coup, je sais même pas c'est laquelle version qu'il faut que je mette. Target Renegade, ça risque de me prendre 3 jours. Targan, je l'ai déjà fini, je crois. Alors même si c'était en qualité caca. Putain. Je sais pas du tout du coup. Merde, putain, fais chier. Alors, je vais aller regarder. Là-dessus, j'avais mis la liste de ce que j'ai fait, de ce que je voulais faire. Même si elle n'est pas complète. Ouais, il n'y a rien d'intéressant en fait. Rambo 3, ouais, mais il faudrait la map pour le finir. C'est un super jeu, Rambo 3, mais sans la map, ça va être chaud, quoi. Attends, je regarde quand même. Ben, au moins pour le premier niveau, quoi. Les autres niveaux, on s'en tape, mais. Putain, mais. Et sans déconner, son moteur de recherche. Hein. Lui, il a dû mettre 3i pour faire le 3. Ouais, voilà. Donc, du coup, ben, il comprend pas. Quand il écrit 3 en chiffre, il comprend pas. Putain, mais quelle catastrophe le moteur de recherche de CPC Power, honnêtement, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Alors, le plan, il est là. Ouais, ça va pas être facile de jouer en regardant le plan. Hein. Je pense qu'il vaut mieux l'apprendre par cœur, surtout qu'il n'y a pas grand-chose. Mais, ouais, ça va être trop chaud, hein, je pense. Je pense, Billy, la banlieue, tu sais faire. Je connaissais que le 2, je connais même pas le premier. J'ai jamais joué au premier, je connaissais que le 2 et je crois pas être allé bien loin, avoir compris grand chose. Bruce Lee, non? Zéro non plus. Je déteste. Je trouve que c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il nous propose là, dans ces jeux aléatoires là? Il peut pas. C'est dommage que le truc aléatoire sur CPC Power, on peut pas dire qu'on a envie de voir que genre il met des trucs de fion, on va peut-être éviter. Ah, ça va, on voit pas sur le stream parce que sinon je vais me faire censurer. Allez-y, hein, si vous avez des idées. Même au pire, un jeu que je connais pas mais qui est pas trop mal. C'est l'occasion de tester en direct. Hein, un peu comme Johnny's Quest l'autre jour qui était plutôt pas mal. Là, je sais pas trop. J'avais pas prévu de mettre aussi peu de temps sur Préhistorique 2 en fait. Je pensais que j'allais me gaufrer comme une merde vu que j'y avais pas joué depuis des années. Hop là. Y a rien. Putain, il va pas me proposer un truc bien cette espèce de tête de nœud. Hein. Brave Star, je m'en rappelle plus non plus de ce jeu. C'est vrai qu'il était pas mal Brave Star, mais rien. Oh, ça date d'il y a. J'ai jamais rejoué depuis que je suis gamin, je crois, ce truc-là. Donc ça a été un peu chaud, quoi. Il propose que de la merde. C'est chiant là le truc aléatoire de CPC Power. On peut pas dire qu'on veut que ce soit que des jeux en aléatoire. Parce que là, du coup, il me propose. Voilà, c'est mélangé entre les démos, les logiciels et machin. C'est un peu pète-couille. Hein. Bah écoute.
Sinon, ce que je vais faire, je vais juste faire hop, comme ça. Et puis, regardez. Alors, est-ce qu'on peut. Je vais choisir jeu de plateforme, parce qu'à la limite, c'est ce qui est le plus sympa à faire en stream, je trouve. Plateforme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va éviter les trucs espagnols à 2 balles. Qui sont chiens à mourir. Le Astérix, on va le fuir direct. Le Baby Joe, je crois que je l'avais déjà fait. Alors, le problème, c'est que Baby Joe, il n'y a pas de musique. Alors, c'est un peu chiant. Le jeu, il est sympa en lui-même, mais j'aimerais bien le streamer, mais il n'y a pas de musique. Donc, faut mettre de la musique derrière. C'est un peu pète de couilles, quoi. Génie Commando Black Tiger, on va s'en passer de ces deux bouses. Sympa comme stream où on voit un mec en train d'essayer de trouver ce qu'il va mettre. C'est cool, hein? Carrément cool. Bon, allez, ça me saoule. On va se faire un petit Savage. C'est sympa, Savage. Et, Brave Star, par contre, je vais le noter en idée parce que c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, je suis où là? Ah oui. Il est où mon dossier? Je dois l'avoir mis sur le truc à Pauline, donc. Tac, 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 Savage. Hop. Moi, je vous mets pour l'intro. Hein. Normalement, vous devez la connaître. Tac. On y va. C'est vrai, ça fait des siècles que j'y ai pas joué. Hein. Ouais, on va essayer de finir le premier niveau, mais c'est pour sûr. On s'en branle. Alors, level 1. Waouh! Donc, un jeu de David Perry au code et Nick Brutti au graphe. Ben pourquoi? Ben pourquoi quoi? Le normal. Voilà, il fallait taper J pour joystick, je crois. Pourquoi tu dis pourquoi? L'intro. Ah, tu veux l'intro? Oh là là. Allez, on va te mettre l'intro. Ah. On va te mettre l'intro. Je la laisse pas pendant 10 minutes. Hein. Ta gueule, toi. Allez, intro. Voilà. Elle était sympa cette petite intro. On va la mettre en plein écran. Bon, voilà, hein, parce que sinon la petite elle va se réveiller, j'aurais même pas commencé le jeu. Allez, hop, le jeu.
Alors, si vous attendez l'intro un petit moment, si vous la laissez un petit moment, au bout d'un moment, le magicien il se gratte le nez. Alors, je me rappelais qu'il se grattait le nez, je sais pas s'il fait d'autres conneries, mais il fait des trucs comme ça, dans le genre. Au moins, il se gratte le nez. Bon, on s'en fout de l'intro de merde de chenille. Hein, putain. C'est un miracle, elle marche sur CPC+, d'ailleurs, son intro. Je suis pas sûr que les couleurs soient bonnes pour cet écran de présentation. Hein. Il y a du vert dans les ailes du piaf, là. Jeu normal. Il n'y a pas de musique. Je crois que sur les autres versions, les versions C64 Spectrum, il y a de la musique en fait. Ouais, d'accord, non, mais vas-y, hop, c'est parti. Et il m'a pas mis de joystick. Bon, on n'a plus qu'à crever. Putain. Quel connard. Alors. Ouais, c'est bien, on s'en bat les couilles. Voilà. Alors, on va essayer de finir ça, mais je me rappelle pas à 100% non plus. Non, il y a premier trou du cul qui vient nous faire chier. Hein. On va essayer de le bousiller rapidement. Voilà, ça je sais plus ce que c'est. Allez, on y va. Ah, mon énergie est en baisse. Oh putain. Ah ouais, alors, quand on crève, t'as des boyaux partout. C'était assez fun, assez rigolo. Allez. C'était assez rigolo. Alors lui, on pète sa gueule. Surtout, on prend le truc, ça nous entoure un bordel et on trace comme un gros débile pour péter tous les tonneaux. Et on s'en occupe pas pour l'instant des tonneaux. Voilà, c'est tout. Parce que les tonneaux, ça redonne, les bouteilles vertes redonnent de l'énergie. Là, on va aller tuer le boss à la con. Qui est un peu chiant d'ailleurs. Un peu longué à tuer. Ah non, mais par contre, c'est bien animé, hein. Bon, il y a beaucoup de trucs qui sont autogénérés. Si je me souviens bien, on a déjà le perso. Le perso, c'est de l'autogénéré, je crois. Bon, bon, bah, hop, allez, c'est parti. On y va. Donc, c'est assez rapide, hein. Forcément. Je commence à plus rien voir là, avec le putain de soleil. Hein. J'aurais pas dû prendre la potion verte. Alors, normalement, il se finit assez facilement. Hein. En tout cas, quand j'étais môme, je le finissais très très facilement. Je m'en faisais une petite partie de temps en temps, histoire de. Mais cette première partie se finit bien. Alors, on va pas prendre le. Alors, est-ce que je vais pouvoir. Il est mort ou pas? Non, pas encore. C'est chaud. Allez, crève, connard. Voilà, il est mort. Voilà, moi je reprends pas la hache. Je vois quasiment plus rien parce que j'ai le soleil là qui me. On va pas se plaindre qu'il y ait du soleil, mais. Find the left. Alors là, il doit y avoir un boss, non? Non, il n'y a rien. Alors, j'en profitais pour tirer le rideau si je suis un peu tranquille. Ouais, yes. Allez. Non, ça bouge bien, il y a des grosses sprites.
c'était quand même assez impressionnant pour l'époque, je trouve. Voilà, ça je m'en doutais. Voilà, je vais perdre une vie, hein, je pense. Hein. Oh merde, putain. Il y avait un tonneau avec de l'énergie. Yes! Allez, va-t-on finir Savage? Enfin, au moins la première partie. Merde, c'est en haut, je crois qu'il réapparaît au milieu. Voilà, c'est bon. Il est mort. On se reprend l'énergie. On trace. On prend le truc, ça nous protège. Bon, ça, je l'ai déjà. Oh, on arrive à la fin, c'est la fin ça. Si je me souviens bien. Bon, c'est bien, comme ça j'aurais fini deux jeux. Hop. Et voilà, fin du jeu. Fin du premier niveau. Alors, le deuxième niveau, ça va être plus chaud. Alors le code c'était quoi? Sabata. Sabata. Je me rappelais pas du tout du code. Allez, on va essayer le deuxième niveau. Alors le deuxième niveau, faut... Ou aller éclater des trucs. Bon, c'est un peu différent. Alors, on tire sur des espèces de crânes. Ah, la musique a été cool. Alors, on va taper le code. Complètement faux. Ah bon? Je me suis trompé. S, A, B, A. Ah, ça se trouve, il est encore artiste d'aube. Cette saloperie. Donc j'ai 3 vies. Allez, on y va. Donc on tire, on évite de se prendre les trucs dans la gueule et on doit essayer de trouver de planquer là-dedans des têtes de mort sans se prendre les trucs dans la gueule. C'est chaud. Alors moi je tire tout le temps parce que ça me donne une indication s'il y a des poteaux devant moi ou pas. Alors faut faire gaffe parce qu'ils arrivent très très vite dans la gueule. Je sais plus combien il en faut. Ça va être marqué en bas, mais j'ai pas trop le temps de regarder. Parce que là, ça y va. Hein. C'est speed. Très difficile ce truc. Il y a plusieurs niveaux. Alors, au début, c'est tête de mort là. Après, c'est autre chose. Et puis après, je crois qu'il y a... il me semble qu'il y a des ennemis dans les niveaux d'après. Putain, je vais pas réussir à les bousiller la gueule. Hein. Allez.
Voilà, level 2. Alors là, il y a des ennemis. Et ah, bah, c'est lui qu'il faut tuer. Alors, c'est un peu chiant parce que, alors, en plus, je crois qu'on se fait tirer dessus des fois. Voilà, on se fait tirer dessus. Il y a un truc qui arrive au loin qui allait m'arriver dans la gueule d'ici peu de temps. Donc, en fait, on peut pas rester en place, ce serait trop facile. Pas facile du tout ce truc. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un tir qui est passé juste à côté de moi là, sur la droite tout à l'heure. On entend qu'on nous tire dessus, mais le tir, on sait pas trop d'où il est là, il est à droite. Hop là. Donc, faut faire gaffe. Allez, putain. Je sais plus combien qu'il y en a de stages comme ça. Bien chaud. On devrait bientôt finir celui-là, je pense. Si on crève pas, parce que j'ai que 3 vies, hein. Donc là, j'en ai déjà perdu une, je crois. Alors, je la passe pas ce putain de niveau, hein. Il est long, ouais. Voilà, je me suis pris un truc dans la gueule. Putain, j'ai plus qu'une vie. Oh putain, je suis mort. Bon, bref. Il est pas facile ce niveau, hein. C'était celui qui me posait problème. Et le level 3, alors c'est quoi? Il y a un code aussi, je crois. C'était quoi le code? Je vais pas m'emmerder à finir ce level 2. Ferjus. Ah oui, c'est vrai. Ferjus. Allez, moi c'est le level 3 qui est bien sympa où on est un piaf. Oh, c'est pareil, j'ai fini à l'époque en level 3, je me rappelle plus, il y a des objets à prendre dans un certain ordre. Je m'en rappelle plus tout à fait. C'est bon, j'ai plus le soleil en pleine gueule. Hein, il fait nuit. Allez, c'est parti. C'est parti. Jeu normal. Alors, Enter Code. F-E-R-G-U-S. Correct, you know. Three lives. C'est plutôt sympa, du coup, même si on n'avait pas fini les niveaux d'avant, on pouvait quand même jouer en fait. Ça, c'était plutôt cool. Alors, je sais pas si tout le monde connaissait le jeu, bah, a priori, Rude, il connaissait, mais Thomas, je sais pas si tu connaissais ce jeu-là. Qui est pour moi un des meilleurs jeux CPC. En tout cas, il est magnifique, il est jouable, il est assez terrible quoi. On peut les tuer eux normalement. Oh merde, je me suis fait croiser, putain. Connerie. Je me rappelle plus très bien où faut aller. Hein. Alors ça c'est de l'énergie, ça. Bah, il me semblait. Voilà, qu'on pouvait les tuer. Je suis pas débile. Ah ils sont chiants ceux-là, putain. Alors là, il y a un truc à prendre. On va pas passer par là. Ah, je peux tirer en bas normalement. Ouais, c'est ça. Là, il doit y avoir un boss. Voilà. Alors, lui, on va essayer de le bousiller. Oh, c'est du gros sprite, hein. Bon, ils sont pas animés plus que ça. De l'énergie. Tiens, il y avait des sons hard. Je m'en souvenais pas. Oh, tiens, tu vois, je me souvenais qu'il y avait un pic. Donc là, j'ai trouvé un des objets.
Ah putain, faut éviter de leur tirer dessus, après ils me font chier. Ouais. Je vais aller rechercher de l'énergie. Viens là, ta connard. Voilà. Voilà. Hop là. Alors là. Bon, hop. Je regarde de temps en temps où je suis, monsieur. Je crois qu'il y a un pic quelque part dans le coin là. Voilà, là. Oh putain, je suis passé trop tard. Quel nul. Oh putain, je suis nul. Gros blaireau. Oh putain. Je suis mort. On va en refaire une. Moi j'ai plus la map dans la tête hein, depuis le temps. Enfin, c'est pas grave, je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans le coin. Ah si, il y avait ça. Voilà. Il y avait bien quelque chose. Là, le boss. Alors, je le bute parce que sinon on va faire chier après. Putain, j'aurais pu y aller. Ah, je m'en doutais que c'était trop tard. Trop juste. Bon, vous êtes tous endormis. Ça passionne pas les foules, ça veille. Pourtant, très bien ce jeu. Oh, mais putain! C'est pas possible d'être nul à ce point-là, quoi. Je fais que des conneries depuis tout à l'heure. Ta gueule, toi. Oh, tiens, c'est merdé là. Il y avait un bug. C'est normal ça, hein. Normalement, ça merdait pas, hein. Cette version de Chani qui est foireuse. Hein. Que je fasse gaffe qu'il pose des pics. Ah voilà, putain. Quel boulet alors. C'est pour là que je suis mort hein, tout à l'heure, déjà. Donc là je crois que c'est à droite qu'il y a un objet. Voilà. Ça met, j'ai de l'énergie pas trop loin. On dirait que je vous ai perdu là. Alors.
Ouais, ça merde, là, l'esprit qui merde là. Qu'est-ce que c'est que cette version de double là encore? Putain, c'est pas possible. Hein. Faut les virer ces versions, faut pas les conserver, c'est de la merde. Ça a l'air de flotter dehors. Grosse averse là. Je sais plus s'il y a quelque chose à gauche. En bas plutôt. Alors là, il y a un objet, tiens. Je me méfie que j'arrive pas sur des pics parce que vu que c'est ma dernière vie, je peux faire autant pour crever vêtements. Pour ça que je fais des à-coups vers le haut. Putain, je suis complètement paumé, hein. Je sais absolument pas où je vais. Comment je m'en rappelle plus? Oh bah là, je suis mort. Bon bah tant pis. Voilà. C'était Savage. Bon bah vu qu'il n'y a pas d'autre idée, je vais peut-être m'arrêter là alors. On va regarder vite fait là-dedans, il y avait quoi? Ouais, on a déjà tout fait. Bon bah on va s'arrêter là. On va pour vous endormir plus longtemps. Voilà. C'était le petit stream du. On est quel jour en fait? Je sais même pas quel jour on est mercredi, non? Ouais, le stream du mercredi. Voilà. Bisous.